Roma a accéléré depuis 2015 sa transformation digitale en créant une nouvelle direction dédiée à ce sujet-là et en lançant plusieurs chantiers majeurs que sont la donnée, l'espace client, les agences physiques, le nouveau mode d'organisation et tout ça au croisé des chemins entre l'organisation interne, les besoins utilisateurs et les nouvelles technologies. La direction des achats du groupe est impliquée constamment dans la veille de nouvelles technologies et de l'innovation digitale que l'on peut apporter pour toutes les entités du groupe. Les besoins en termes d'efficacité, d'automatisation de processus, de sécurisation de données, de traçabilité se renforcent et nécessitent que nous-mêmes nous puissions nous adapter. La direction des achats se réinvente et doit apporter cette création de valeur. Et actuellement, Sinatra nous permet de progresser et d'avancer avec le reste du monde. Cela fait plusieurs années que l'on travaille avec la plateforme Sinertrade et c'est sur ces trois dernières années qu'il y a une véritable accélération de l'utilisation par la direction des achats. Nous avons migré la dernière version d'Accelerate afin d'avoir un meilleur usage côté direction des achats, mais aussi pour permettre à tous nos clients de se connecter et d'utiliser au mieux cette plateforme. L'objectif est de systématiser l'utilisation de cette plateforme par les différents acteurs du processus achat. Les acheteurs, la direction juridique, les fournisseurs, les clients et l'audit. Que cette plateforme devienne une place centrale, référente et accessible à toutes les entités du groupe. La plateforme Accelerate nous a permis de développer l'agilité de la fonction, améliorer l'efficacité des processus, professionnaliser la fonction et aligner le SI Sinertrade à la stratégie achat. Sinertrade nous permet d'atteindre une performance durable via des transformations réussies. Le dernier projet a été de développer le CRM et renforcer la vision 360 du fournisseur. On souhaitait digitaliser la relation fournisseur en maîtrisant mieux l'ensemble des risques fournisseurs, en pilotant la performance de ceux-ci, mais aussi en contrôlant l'éthique, le respect du développement durable et des responsabilités sociales. Grâce à Sinertrade, la base fournisseur est désormais renforcée, implémentée des cotations financières, et les fournisseurs sont responsabilisés et doivent s'auto-enregistrer et mettre à jour leurs fiches. Cette action nous permet de constituer une connaissance d'un écosystème de start-up et de partenaires en forte expansion. Et on l'a bien compris, plus les données sont renseignées, plus l'utilisation est massive. La performance de la plateforme Accelerate est mesurée par son taux d'utilisation par les différents acteurs, mais aussi par sa capacité à nous accompagner dans les stratégies achats de négociation que peuvent être les appels d'offres et les enchères inversées. Nous allons continuer notre trajectoire d'amélioration continue et nous prévoyons d'automatiser la signature électronique des documents que l'on connectera à l'outil Sinertrade. Tout cela afin de sécuriser le dispositif de signature avec un workflow, avoir une efficacité opérationnelle en optimisant les tâches administratives et en stockant directement les documents signés dans notre base Contratech lors du premier trimestre. Ce dispositif va être un accélérateur de notre taux de transformation des sujets achats. Et nous prévoyons des quick wins réguliers et pourquoi pas d'interconnecter la plateforme vers d'autres acteurs que sont Elisphere ou e-attestation. Nous comptons donc sur Sinertrade pour nous permettre d'atteindre une performance durable via des transformations réussies.